Rebonjour, eh bien c'est en replay que nous allons continuer cet album. Oh, je suis très déçue que ça ait coupé. Du coup, eh bien on ne pourra pas papoter. Voilà, c'est bien dommage. Donc on en était. Donc à cette page-ci, on a fait un petit pli d'un centimètre, on a tout ancré. Et là, on va mettre le double face juste sur la partie d'un centimètre pour venir la coller à l'arrière de notre bloc de page ici. Donc là, soit vous vous mettez dans ce sens, soit à la verticale, comme vous voulez. Le tout, c'est de bien s'aligner. Surtout quand on a mis le double face, après, on ne peut plus décoller. Voilà. Ici, sur l'arrière, comme on va le coller dans notre couverture intérieure de l'album, on va mettre aussi du double face partout. Alors, je vais mettre du rouge, plus costaud, plus résistant. Parce que tout le bloc de page va être sollicité quand on va ouvrir l'album. Donc il faut que ça tienne bien dans la couverture intérieure. Alors je m'arrête aux perforations, je ne mets pas de scotch sur les perforations. Et un morceau comme ça en travers. Donc on va quand même continuer à travailler avant de le coller sur la couverture pour être plus à l'aise. Donc sur cette partie-là, on a un morceau de papier à fleurs avec des grandes roses. Donc on va reprendre nos restes de papier. Comme on va tout utiliser, faites attention de ne pas gâcher. Donc on va prendre aussi des chutes. Alors ça, on avait ce morceau-là. En fait, on en a deux même. On va le garder pour l'instant. Ils sont trop gros. Et ensuite, on va prendre des chutes aussi de blanc cassé. Ou vous prenez un morceau de blanc cassé. Alors il faut trouver la feuille avec les roses. Donc c'est celle qui a les grosses, celle-ci, les grosses roses entières. Alors on va regarder où j'en ai mis. Voilà, j'ai découpé un morceau entier pour la page d'avant ici. Donc on va découper au massicot. Je vais vous donner les dimensions. Donc normalement ce sont les mêmes que la dernière fois. Est-ce qu'on les avait notés? 19,5 par 14, je vérifie quand même avant. 19,5 par 14, c'est bien ça. Donc prenez votre massicot. Alors les roses, elles sont dans tous les sens, donc il n'y a pas vraiment de sens. Donc je vais déjà couper à 14. Et à 19,5 dans l'autre sens. Là, j'ai fait quatre jolis coins perfos. À vider les petits confettis sous la perforatrice. À l'arrière ici, vous avez un petit compartiment. Pensez à les vider. Sinon, ça peut forcer. Et là, j'encre les bords. Et on va coller. Donc, soit vous prenez de la colle, soit vous utilisez le double face. Bon, pour ici, je vais utiliser de la colle. Alors, je prends la Tacky-Glue. Le flacon est neuf. Je l'ai utilisé une fois en atelier et du coup,
Voilà, le bout était un petit peu bouché. Alors, ça mérite un petit nettoyage de l'embout. Et un bouchon de colle. Colle sèche. Ça, faut l'enlever. Sinon, c'est pas bon. Attendre que la colle descende. Ça y est. Vous centrez comme d'habitude et vous collez. Donc ici, normalement, on va utiliser une chute. J'ai mis celle-ci. Donc là, on va découper. Alors ici, on va aller pratiquement jusqu'au bord, puisqu'on a notre petite reliure. Donc on va aller jusqu'au bord, on va laisser un tout petit peu de blanc dans le coin. Donc ça nous fait 13,4, à peu près à 13,4. Vous allez couper dans ce sens, sur toute la hauteur. Donc 13,4. On va faire une jolie perfou dans le coin en haut à gauche. On ancre. Et on va coller sur le haut. Alors en bas, il n'y a pas de papier parce qu'il va y avoir des pochettes. Donc comme j'ai fait vraiment à l'économie, j'ai utilisé tout le papier. Donc ça ne descend pas jusqu'en bas. On vient contre la reliure, vous avez un petit millimètre à gauche de blanc, vous pouvez vous aligner sur le haut ou laisser un millimètre, c'est comme vous voulez. Ensuite, donc on va continuer les pages pleines pour utiliser les chutes par la suite. Donc là, on va prendre la feuille qui est craquelée, blanche. Là, je vais tout sortir parce que je ne sais pas ce qu'on a utilisé la dernière fois. C'est celle-ci, on ne l'avait pas entamée. Donc là, pareil, vous la découpez à 19,5 par 14. Donc d'abord à 14. Et puis à 19,5. Quatre jolis coins perforés encore. On reste toujours dans le même thème. Et ensuite, je vais ancrer. Oh, je suis tellement déçue que ça ait coupé là le live. Quel dommage. Donc ici, à côté des roses, on met notre page craquelée. Thank you.
Voilà pour cette page. Donc on va continuer à poser tous nos fonds. La page d'après, voilà, là j'ai utilisé une chute, en fait, une bande comme ça. La hauteur, c'est pas celle-ci. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va découper, voilà, une bande dans tout ce reste-là. Et par contre, j'ai mis un petit raccord de papier à motif ici pour rester toujours dans le, dans les lignes comme ça. Nos motifs à la verticale. Alors, je regarde ce qui me reste. J'en ai pas de toute prête. Comment ça se fait? Je vais utiliser celle-ci. Donc là, on va recouper une bande de papier. Alors, on n'est pas obligé de la mettre jusqu'en bas. Pareil, ce sera caché par la pochette. On colle. J'ai peut-être une mise à jour à faire sur mon ordinateur. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche plus en live. Et du coup, ici, on va regarder combien on a besoin, tout en sachant qu'on va laisser un petit peu de blanc cassé de chaque côté. Donc là, si on coupe à 10,5, il nous reste 1 mm de chaque côté, et c'est bien. 10,5, je vérifie, ça c'est trop petit. Donc, vous recoupez dans ce sens-là, 10,5. J'ai fait. Oh, je me suis trompée de sens. J'ai pas coupé à 10,5. Ah bah si. C'est trop court. Super. Super, super. Ça aussi. Bon, bah je mettrai autre chose. Qu'est-ce que j'ai du blanc cassé? Je vais rajouter encore une petite bande de blanc cassé. C'était 11,5 en fait. J'ai coupé à 10,5. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc vous collez en laissant un petit millimètre de blanc cassé sur le haut pour que ça fasse joli. J'ai l'impression que c'est laborieux cet album. Hein. Oh là là, entre les vidéos qui coupent. Incroyable. Incroyable, incroyable. Donc là, je vais réduire un petit peu cette bandelette pour qu'elle passe entre les deux. Un centimètre, ça m'a l'air suffisant à vue d'œil comme ça, voilà. Toujours un petit peu d'encre. Et je vais coller. Voilà, reste la place pour les pochettes. Alors donc après, il nous manque un petit bout. Là, on avait le milieu. Ici, on a une page avec des roses. Alors, les grosses roses, comme ça. Ici, on doit en sortir deux morceaux. On va faire la suite, en fait, de la rose. Tout le motif va se suivre. Donc là, on va couper dans ce sens à 19,5 de haut. Du coup,
dans ce sens. Le premier morceau, on coupe comme tout à l'heure, ce qu'on a besoin à 14. Et le deuxième à 14 aussi. Ah ben c'est celui-là le morceau qui devait être ici. C'est pas grave. Donc là, on va faire les jolis coins sur les quatre coins extérieurs. J'aime bien le faire dépasser sur le papier, ce vieux rose. C'est joli. Comme ce sont des couleurs à la craie, comme les versets magiques, donc c'est doux en fait. Donc, si vous n'avez pas celle-ci, vous pouvez prendre Spring Pensée de versets magiques. Oui, Spring Pensée. Allez, on colle tout ça. Ça fait beaucoup de collage aujourd'hui. Centrer et coller. On est bien droit. La page d'après, ici, on a une petite chute tout le long de papier à motif. Et ici, on doit avoir un reste. C'est celui-ci, cette bande avec le bouquet de roses en haut. Donc là, on va découper. Si on met... soit on met tout du long... Et du coup là on va couper à 20, on va suivre en fait cette tranche, on va couper à 20 cm. Je laisse un petit peu de blanc cassé encore entre. Oups là, attention, mettez bien les fleurs sur le haut. Enfin, si ça vous plaît, hein. Après, c'est question de goût, c'est personnel. Donc là, je mets mes roses sur le haut. Ici, j'ai besoin d'une fine bande pour venir garnir cette partie-là. Donc, je vais prendre... 1 cm de blanc cassé encore. Demain matin, vous avez une vidéo, un tuto carterie qui sera disponible sur la chaîne. Je pense que ça devrait vous plaire.
ici sur cette partie, on a donc encore un reste à mettre. Donc dans ce papier-là, jolie feuille, c'est... Alors dans quel sens je vais utiliser qu'est-ce qui nous reste là-dedans dans tout ce vert? Dans tout ce vert, c'est vrai qu'on en a pour devant ici, on a cette partie là à faire, l'intérieur. Ah oui, j'ai mis celui-ci, ici, celui-ci là à l'intérieur. J'ai un fond avec des roses comme ça, je vais les garder de côté pour voir ce que je vais utiliser. Ici, on a une page entière. Ah ben, on va faire ces deux-là. Comme ça, on verra ce qui reste après ici. Ah oui. Celle-là, on la garde. C'est pour la couverture intérieure de l'album. Celle-ci, elle va être collée ici. En la raccourcissant. Donc, on va la coller, comme ça, ce sera fait. Alors, il nous faut 14 cm par 20 de haut. Donc, 14 par 20. Et on va la coller. Alors, je vais m'arrêter à 20 parce que je pense que la chute, on va l'utiliser pour autre chose. Donc, vous coupez à 14, vous arrêtez à 20 cm et après, on se met dans l'autre sens et on coupe à 20. Là, on va bien ancrer les bords. On va la coller de suite comme ça, ça nous évitera de la découper et de la mettre ailleurs. Ce serait dommage. Donc ici, ça va être double face. Alors, le bouquet de fleurs part de la gauche vers le bas droit. Donc, vous vous placez, vous laissez environ un peu plus d'un demi centimètre sur la droite, ici, du papier de la couverture. Vous laissez un demi et vous collez toute la page. Ça, c'est pour ici. On l'a réservé. De l'autre côté... On verra après. Oh là là, il passe la tondeuse maintenant. Ouh, quel bonheur. Après, on a une chute de ce papier pour mettre à l'intérieur ici. Alors, du coup, dans quel sens on va découper ces deux pages? On va faire comme tout à l'heure, on va découper deux pages à la suite. Donc, dans ce sens, pour avoir tout le motif. Donc, on la met dans ce sens-là et on va découper à 19,5. On revient à l'horizontale et là on va couper à 14 deux morceaux. Donc on continue 14
Et là, on va faire comme tout à l'heure, les jolis coins, l'encre, et on colle sur le fond vert, ici. La vider souvent cette perforatrice, et du coup les deux coins extérieurs aussi. Et on va coller. Donc on est un peu en décalé par rapport à la page, à l'angle, la perfo ici en bas à gauche, mais c'est pas grave, ça fait joli quand même. On avait déjà fait la perfo, mais on peut pas être pile dessus. Mais j'ai quand même préféré perforer, même si c'est, ça fait une double perforation et qu'elles sont un petit peu à côté, en décalé, ça fait quand même joli. Enfin, ça me plaisait de faire comme ça. Et là, on met la suite de la page comme tout à l'heure. On reprend ici, il nous manque une partie. On va attaquer l'intérieur de ce côté. J'ai utilisé cette partie là, donc tout ce qu'il y a en largeur, et là on découpe comme tout à l'heure, j'allais dire à 20 cm. À 20 cm, on découpe. On va pas coller, on va la garder parce qu'il y aura des aimants dessous. Donc on va laisser ça là. Au moins on est sûr de l'avoir réservé. Donc ici, je dois avoir normalement un morceau comme ça qui descend. Où est-il? Où est-il? Le truc, c'est que j'ai dû le couper, je sais pas comment, et qu'il me manque un bout. Alors, il va falloir faire autrement. Donc, un autre morceau de papier. En fait, il était plus fin. Avec des roses, c'est celui-ci qui vient là, ici, donc en laissant un petit espace, et à côté j'ai une petite bande avec des planches. Et là par contre, il me faut la suite. Donc la suite. Leur trouver leur accord. Si vous n'avez pas coupé votre feuille tout du long, il doit vous rester un petit morceau. C'est pas la même largeur. Non, celui-ci c'est pour autre chose. En fait, on a deux options. Ici, on a ce papier à mettre au niveau de la pochette. Il va rester une partie, donc plutôt que de faire un raccord,
Je pense que je vais la rajouter ici et là on rajoutera les planches. Donc on va déjà découper de quoi garnir notre pochette. Alors, donc en largeur, on va prendre un petit peu plus pour venir passer sous la perforation de vos fleurs. Donc là, ça dépend de la largeur de votre perforatrice. Moi, il me faut 7,5 par exemple. Donc je vais déjà découper à 7,5. Je vais mettre le motif le moins imprimé. 7,5. Donc sur toute la hauteur, 20. Et là, on va le glisser dessous. Comme ceci. Donc on va ancrer le bord. Et on va le coller directement. Vous le glissez sous votre bordure. Donc là, on est bon, on va revenir sur nos premières pages, ici. Donc il nous reste une bande, on va laisser un petit peu de vert. Alors j'ai un millimètre de trop en hauteur, là je vais la recouper. Même pas un millimètre. En fait, vous faites en fonction de ce qui vous reste comme largeur de papier. Puisqu'on va recouper pour s'adapter à la taille de la page. Donc là, je colle ce morceau. Donc là, j'allais dire, c'est du sur-mesure. Je laisse un petit filet vert sur le bord. Droit, c'est mieux. Et ici, donc on va rajouter une bande. Donc celle-ci est trop petite. J'ai dit que j'allais prendre les planches qui sont un petit morceau de planche. Voilà. Alors là, il suffit de vérifier. Il me faut, si je laisse un petit peu de vert de chaque côté, il me faut 3,2. Je ne fais pas de perfo de coin sur celle-ci. Un peu de vert de chaque côté. Ça dépasse un petit peu. Vous recoupez si c'est trop long. On va passer au devant. Donc ici, je fais une jolie perfo dans le coin. On a notre aimant, donc tout va bien. On peut coller. J'enlève la pellicule de double face. Ça va me servir aussi à coller le papier.
super joli ce papier. Pour l'intérieur, donc on va découper dans ce motif avec les roses. Donc là, on va s'arrêter avant la bordure de perforatrice. Donc suivant votre... Moi c'est 8,5 à peine. Suivant le papier que vous avez choisi, la perfo pardon, que vous avez choisi, ce sera plus ou moins large. Donc mesurez vraiment, j'allais dire personnellement. Donc j'ai dit 8,5. La largeur, ça a l'air pas mal, donc je vais vous dire ça. En largeur, ça fait 14. Et dans l'autre sens, 8,5. À peine 8,5. Je vérifie, ça va bien. Pareil. Pour le devant, il vous reste ce morceau avec tout le feuillage et les fleurs comme ça, assez fin. Donc là, c'est pareil, on va le recouper à 14. Et pour moi, à 8,5. Donc je mets les fleurs, le feuillage vert sur la droite en haut. Pour la déco, j'ai placé de la dentelle, mais on verra après. On va d'abord finir les pochettes de cet album, ce sera plus pratique. Donc les pochettes, c'est à la fin. Alors on a ici et ici. Donc là, je vais prendre un bout de blanc cassé. Donc une chute de blanc cassé. Je regarde parce que ceux-là, on va les utiliser, on va les couper en deux par le milieu. Donc à environ 15 cm. On va les garder, ça va nous servir d'emplacement photo ou de cadre photo. Donc on les garde de côté précieusement. Celui-ci aussi, on en avait un. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc on doit avoir normalement ce papier-là. On va découper une pochette dedans. Donc on va le garder à proximité. Et ensuite, j'ai utilisé du cardstock blanc cassé. Mais finalement, vu qu'on a ces petites chutes, on va faire une variante. Voyons pour l'intérieur. On va faire une variante. On va garder un morceau pour ici. Donc déjà, on va prendre la perfo de bordure et on va perforer tout le long. Donc on garde cette petite déco. On va mettre un petit double face de 3 mm en dessous. Ensuite, on va prendre donc celle-ci. On va découper une largeur
environ 5 cm. C'est dû à peu près là. Moi j'ai utilisé 5 cm là. Et je vais faire une découpe encore de bordure, juste sur un bord. Qu'on va ancrer. Ensuite, on a besoin, hop là, dans les blancs nacrés, dans les papiers nacrés, vous pouvez prendre une bande de papier. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? J'ai envie d'utiliser... Ah si, je vais préparer mes petites découpes. Donc on va en faire une en blanc cassé. Pareil, on va découper environ 4-5 cm. 4,5. Je vais découper à 5. On va en faire une à 5. Donc on va recouper en largeur. Bon, c'est 14. Donc on la recoupe à 14. Ensuite on va prendre... Je vais prendre un morceau de celui-ci à 14. Et on va perforer. Donc là, c'est toujours dans la même collection des nacrés. Vous pouvez choisir parmi les couleurs du bloc. Elles s'accordent très bien. Enfin, pour moi, c'est celui que je trouvais qui s'accordait le mieux. Là, je fais des confettis partout. Alors, avant de monter les pochettes, à l'arrière, on va mettre du double face sur les trois parties, le fond et les côtés. Et là, on va monter nos pochettes. Alors, on va commencer par la première. Donc, on est sur la dernière page. Ici, donc, j'ai une grande comme ça à motif qui va être collée ici. Et en dessous, j'en ai une petite avec un autre motif. Donc, soit on met la fine avec les roses, soit on met, par exemple, celle-ci. Elle est jolie aussi. Donc elle vient pas jusqu'au bout, c'est normal. C'est ce qu'on avait prévu aussi pour le pour l'arrière. Donc on va coller deux pochettes séparément.
de manière à glisser deux blocs de pages dans deux pochettes différentes. Donc on se cale sur le bord gauche et là vous collez votre première pochette. Et la deuxième, on va la mettre en superposition, comme ceci sur le bas. Donc carrément sur le bas. Et là, du coup, on a deux pochettes différentes. Alors ici, j'ai mis de la dentelle double blanche. Donc on va venir coller un morceau. Pour ça, je mets un morceau de double face, donc à mi-hauteur de ma bordure. Là, sans compter le motif, hein, là, les perforations. Et là, je vais venir coller ma dentelle sur le milieu, là où il y a le plus de tissu. Je vais venir la coller par-dessus la bordure. Alors on voit à peine celle-ci, mais ça fait ça. Comment dire? Si on avait laissé que la poche, que la dentelle dépassée, ça aurait gêné pour rentrer les cartes dans les pochettes. On aurait été gêné. Donc comme ça, c'est bon. Ensuite, vous pouvez découper une petite bande de papier d'un centimètre. On va faire quelque chose de chic. Alors je vais reprendre la même couleur. Je vais découper une petite bande d'un centimètre. Donc toujours sur 14. Là, je vais mettre à l'arrière un morceau de double face et je vais venir le coller au milieu de la dentelle double. Ça fait un rappel avec la couleur du dessus. Et ensuite, si vous avez du nacré, du miroir, dans le papier miroir, une petite chute comme ça, on pourra la coller par-dessus pour faire une petite fantaisie, quelque chose d'un petit peu luxueux. Alors, j'ai utilisé aussi, mais j'ai dû les jeter, une fine bande de cardstock vert, mais alors minuscule. Ah, je crois qu'il m'en reste un petit bout. J'ai un petit bout comme ça. Donc j'avais rajouté un demi centimètre de vert. Avec un double face de 3 mm, vous voyez, sur le milieu comme ça. Alors en le raccourcissant par rapport aux extrémités, un petit peu plus court que la couleur prune, comme ceci. Et par-dessus, j'ai rajouté, alors je l'ai recoupé aussi, il est trop large, une petite bande comme ça, même pas un centimètre, un miroir. Comme ça, juste dessus, ça fait très chic. Allez, on va coller. Donc là, je mets du 3 mm à l'arrière de ce petit morceau de cardstock de 5 mm. Les papiers miroirs, ça a un petit côté luxe qui est bien agréable avec ce style de papier. Vous le centrez sur la hauteur.
on centre aussi la petite étiquette miroir. Ça fait très chic. Et dedans, on pourra mettre des pages comme ça. Des petites cartes. Alors, pour la déco, pour l'instant, on va pas faire plus sur cette page. On va continuer nos pochettes. Alors, voilà, on fait d'abord ça. Ce sera plus pratique parce qu'après, ça va être, il y aura du relief, donc ce sera moins commode. Et ensuite, donc, on met notre pochette couleur craft, blanc cassé. Vraiment très joli le blanc cassé là, ça se marie très bien avec les papiers un petit peu vintage. Ensuite donc on a cette bordure là qu'on va pouvoir rajouter et on va en faire une autre du coup en vert. Là, on superpose trois bordures. La dernière, elle sera plutôt décorative. Donc celle-ci, on va la coller par-dessus en la décalant. Ça va nous faire plein de pochettes. Vous laissez environ un demi centimètre du bas et ensuite on va mettre la dernière à motif sur le bas. Voilà, je pense pas qu'on mettra grand chose dedans, mais c'est juste pour la déco celle-ci. Je la colle, on mettra rien et là on vient en bas. Donc du coup, là c'est bon. Là on a un emplacement photo. Donc du coup maintenant on va pouvoir le coller. Donc vous avez des morceaux qui font environ 10-15. Vous faites juste des jolis coins. Et on va venir les coller ici en mettant des mousses 3D. Et en laissant de la place ici au niveau des mousses pour glisser des fleurs en papier. Donc les mousses. Donc n'oubliez pas d'en mettre au centre pour éviter que ça s'affaisse quand vous allez coller des photos. Et pas trop près des bords extérieurs pour pouvoir glisser des fleurs. Vous voyez, c'est suffisant comme ça. Celui-ci, je le centre. On mettra les fleurs après. Pour aujourd'hui, on ne va pas avoir le temps de mettre les petites fleurs, les décos. On les fera la prochaine fois. Donc là, on a cette page-ci.
On continue, on est sur notre double page. Là, on va remettre un cadre photo. Donc, vous pouvez mettre un vert ou un blanc cassé. Je vais regarder si j'en ai des découpés en blanc cassé. Je vais en redécouper. Donc 10 par 15. Pareil, on met des mousses encore à l'arrière. Donc là, c'est la page où on a notre pochette, où on aura une carte à faire pour mettre à l'intérieur. On va la réserver comme ça. De ce côté, on laisse les emplacements pour des photos. Ensuite, ici, on a un montage de déco. Ici, on a un emplacement blanc cassé avec des coins perforés. Pareil, comme le... Vous voyez, ça se remplit très vite. Hein. Après, ça force si on ne vide pas la perfo. Donc, pareil, mousse 3D. Pour le blanc cassé, je l'ancre légèrement. Et on colle. Voilà pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. On a encore pas mal de déco à faire, des petites cartes à faire pour les pochettes et les embellissements. Ainsi que coller cette partie-là sur notre structure. Ça, on peut éventuellement le faire. Ça nous évitera de chercher. Donc, on le place sur la partie centrale. Vous voyez, c'est juste la taille. Donc, il ne faut pas se louper quand vous collez. Faites bien attention. La déco, on pourra la faire même si l'album est monté, ce sera déjà plus pratique d'avoir fait ça avant de coller le tout sur la couverture. Vous pouvez relever la couverture comme ça afin de coller votre album pour savoir où vous positionnez. Ça colle sur mes doigts. Et voilà.
Ici, on avait gardé un petit bout. On a des aimants à mettre. Donc ça, on le garde. On va noter à l'arrière aimant. Ça nous évitera d'oublier la prochaine fois. Voilà, avant de coller, on sait qu'on aura les aimants à mettre. On se retrouve, alors non pas la semaine prochaine, puisque j'ai pas mal de choses à faire. Donc ce ne sera pas la semaine prochaine, à moins que je vous fasse une vidéo comme ça hors live. J'ai peur que ça plante, sinon le prochain c'est mardi... qu'est-ce que j'ai dit, mardi 24 mai à 14h. De toute façon, il nous faudra bien encore deux bonnes séances pour finir l'album. Rien que la déco devant, la boîte à faire à l'intérieur, donc ce sera déjà pratiquement une séance avec les petites décos qu'on a à mettre dedans. Voilà, les petites cartes à finir. Donc je ferai peut-être une vidéo avant le 24, à voir. De toute façon, vous retrouverez tout ça sur la chaîne. Dans la rubrique, la playlist justement de l'album Shabby Chic. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et encore, eh bien, toutes mes excuses pour cette coupure internet qui était indépendante de ma volonté. À très bientôt.